Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur la profonde humilité de la Sainte Vierge. L'humilité n'est autre chose que de marcher dans la vérité, nous explique Sainte Thérèse d'Avila. Il s'agit en d'autres termes de soigneusement peser la réponse à deux questions. Premièrement, qui est Dieu? Deuxièmement, qui suis-je? De cette double connaissance découle la connaissance de notre petitesse par rapport à l'immensité de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila continue encore en nous disant que c'est justement cette humilité qui a tiré le roi divin du ciel pour le faire descendre dans le sein de la Sainte Vierge. Ce pourquoi ce sera surtout par la pratique de l'humilité que nous pourrons nous aussi le tirer à nous pour le faire venir dans nos âmes. C'est au moment de l'Annonciation que Marie en fait toute la modestie de ses dispositions. En effet, face à l'ange Gabriel, Notre-Dame ne se montre pas excessivement attachée à ses propres idées ou à sa propre conception du monde. Même s'il est parfois légitime, il arrive très souvent que l'attachement à la propre opinion ne soit que la manifestation d'un immense orgueil. Surtout lorsque cet attachement entend assujettir la volonté de Dieu ou bien les préceptes de l'Évangile. À l'Annonciation, Marie, de façon radicalement contraire à cet amour-propre, elle se montre obéissante. Elle exprime une totale disponibilité à accomplir la volonté de Dieu. Elle épouse immédiatement la façon de voir de Dieu. C'est tout cela qu'elle manifeste en disant « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Marie a compris que la raison humaine n'est pas la mesure de la vérité. Marie a compris que le vrai amour à la vérité exige qu'on s'incline devant elle, peu importe comment on la découvre. Prions très fort afin que la Vierge Marie nous obtienne un peu de cette humilité en esprit. Ensuite, voyons l'humilité, magnanimité et magnificence. La fausse humilité est par contre cette attitude qui ne veut pas reconnaître les grâces reçues du Seigneur. C'est lorsqu'on croit que le fait de considérer nos propres talents est un signe d'orgueil. Combien différente était l'humilité de Marie quand elle n'a pas hésité à publier qu'elle avait reçu de grandes choses du Seigneur et qu'à cause d'elle, toutes les générations l'appelleraient bienheureuse. Elle n'en a pas tiré d'autres conclusions que celle de la gloire et l'action de grâce au Seigneur. À la suite de la Vierge, nous sommes en permanence invités à reconnaître, en toute vérité, les dons que nous avons reçus de l'Éternel. Ces talents sont à utiliser pour faire de grandes choses pour nos pays et pour l'Église catholique universelle. Que le Saint-Esprit nous anime à être en permanence, en même temps humble et magnanime comme la Vierge Marie.